Alors en préparation, Nicolas le retour. Les bâtons on laisse là et on est parti. Et là-haut, le bestiau. Voilà ce qui nous attend. Et voilà Nico dans la première longueur. Il a l'assurage. Le maître Jedi. Lolo en vert. Voilà. Ah, la casquette dessous, ça c'est carrément génial quoi. T'es pas ébloui quoi. En fait, on recommence que ça filmait pas. Voilà. Tout va bien, je suis à côté de la plaque comme d'habitude, tout va bien. Alors dans le rôle du hamster, les joues pleines de pâtes de fruits. Tout va bien. C'est l'été, le soleil est là. On est dedans. On est bien, on est cool. À l'attaque, à tout à l'heure. Ah puis ici, il y a de la neige. Hein. Fais-moi les malins là. Ok. Quand tu dis relais, t'es vaché ou pas? Ouais, plus ou moins. Nico, quoi. Plus ou moins. Concentré. Oh non, mais... Là, je suis quand même bien entouré. J'ai un guide, j'ai un... Laurent, qu'est-ce que tu veux, ça? La vie est belle. Même si je panique, je crois que je m'en sortirai. Plus grand-chose. Hein. Ah, c'est beau. Hein. Ah, bon, là, pour Linda, info perso, je suis suspendu dans le vide, dans le relais. Et je filme. C'est une fille qui monte avec nous et qu'on veut habituer qui, au gaz. Qui coach un peu Lionel aussi. Et qui me coach aussi. Elle me coach psychologiquement, elle me coach très bien. Super coacheuse. Super coacheuse. Mais dans le gaz, tu verras où on est. Je vais te montrer d'ailleurs. Ne quitte-toi. Ouais, bien suspendu, ouais. C'est pas complètement dans le gaz, c'est pas vertical quoi. C'est pas, tu vois, c'est un peu comme le baou quoi. Il y a des petits. Oui, petit. Pas, ouais, oui, c'est petit ouais, quoi. Ouais. C'est pas vertical. Quoi. Pour l'instant. Bon, hein. Ouais, mais ça va être comme ça tout le long. Tout ça. Il y a juste le toit là-bas. Et donc mettre le lot à l'assurage. Carrément concentré. Et moi, ma vie tient à ça. Ce truc là. T'as vu, c'est ouvert. Oh, il y a interférence là. Merde. Oh. Tu connais pas. Oh. Attends, oh. T'es con, tu m'as fait peur. Là en direct, la trouille à mettre à zéro. Ah ouais. Ah mais d'ailleurs, le split, non? Non. Ah c'est deux différentes. C'est pas là. J'essaie de trouver leur refuge là. Elle a quel âge, Linda Hummel? 37 ans, je crois. Elle grimpe bien? Bah, elle commence il y a pas longtemps, elle grimpe déjà bien, ou au moins aussi bien que moi. Sinon mieux. Mais elle gère très mal le gaz pour l'instant. Mais bien le stress. Ouais. Elle est quoi? Elle gère bien le stress par contre. Ouais. Putain, on est où là? Ça gère. Mon gars Nico, je savais qu'il allait passer là, j'étais sûr. Il allait me faire un coup comme ça. Bon là, tu te barres pas tant que je suis pas passé Laurent, c'est pas je crois. On se fera des coucous. Ouais. Je vais me filmer dans le gaz pour montrer que je suis un héros, mes potes, je vais vous voir les gars. Et voilà où on est. Ouais, en plus. Voilà. Fallait pas m'énerver. Spécial corneau. Hein. On n'est pas encore où c'était là, mais. Ça commence par là, c'est chaud. Oui, bien. Ça passe bien? Ouais. Ouais, pour vous, ça passe tranquille. Quoi. Ouais, ça va. Bon, bah, rendez-vous plus haut dans la première prochaine longueur. C'est marrant quand même. Comment les hommes ont envie un jour de monter ce genre de truc, si tu te dis, on est bon, on est... La folie. Ouais. Alors normalement, je fais le commentaire, on aura dû faire ça, la course d'arrête, mais je la sens pas trop quand je vois ça. Ça m'a l'air un petit peu excessivement gazeux. Ouais, on est parti, on arrive au refuge, on a bouffé la polenta, c'était là, ça a été. On était au pied de la voie, on a commencé tout en bas. Il a oublié son chausson, il est retourné au refuge, on est revenu. Et après on a vu le turbo, une voie, ça t'en rappelle, il y a une vache au sommet. Là, quand ça veut. Hein. Là, dès que tu descends encore, t'as pas la même assurance quoi. Toi t'as le pied, t'as un vrai chamois toi. Hein.
Elle est bien, quoi. Putain, j'en reviens pas, j'étais sur le corneau, c'était là, quoi. Pour moi, c'est un exploit, tu vois, personnellement. Ouais, mais tu as été facile, hein, quand même. Ouais, en plus. Hein. Je crois que ça veut dire que tu es gracieux, quoi. Dans la montagne. Mais... il a acheté des trucs, je te dis pas, ça te... Quand il a un pas difficile, il pète, ça le fait booster. Enfin, bonne petite journée. Ah ouais. Mais t'as vu, ça vient quand même. Hein. Ouais, il y a un petit coup de... Petit coup, là. Putain, le truc. Putain, c'est excellent, quoi. Je me dis, un jour, je le ferai. Toi, je pensais pas si tôt, tu vois. Je suis content, quoi. Une belle voix. Ouais. Tu vois la profondeur des vallées, tu dis la vache quand même on est haut quoi. Ça commence à... Là on est à ces 3000 hein. Ouais 3054 le sommet je crois. Ah ouais. Ouais, ouais c'est tranquille. Un grand plaisir d'aller. Tu vois, c'est vrai que c'est grave la montée là, je m'arrête. Ah ouais. J'ai jamais éclaté depuis longtemps comme ça. Hein. Je suis content de grimper, tu vois là on ça paye hein. On a gagné quoi. T'as joué tous les deux là. Oh, oh. En plus on a du bol avec la météo. Ouais. Et juste un peu d'air. J'ai même pas froid. Côté tout autour, lumineux ici. Ouais. C'est bien classe. C'est bien classe. Puis pas trop de monde non plus. Hein. Ouais. Personne, hein, presque. Mais au museau aussi. Ouais. Ah ouais. Faire l'arrêt test. Ça, c'est. Il y a un bivouac qui vont le faire en deux jours, non Kinada, ouais, exactement. Qui n'a d'arrêt que le nom, mais c'est super. C'est tu fais bien de préciser, quoi. C'est pas peur. Par contre, c'est un tas de cailloux, ce qu'on m'avait dit. Bah, si tu fais l'arrêt S, ça va bien. Ouais, c'est sympa. Ça fait 1000 mètres de haut. Pour descendre, je peux vous la donner la caméra. Tiens, bon, ça. Bon, allez, transmission de savoir. J'ai un panoramique style Steadicam. Mec, elle est grossière dimensionnée, se filme tout seul. C'est... Vas-y, quand tu le retournes. Bon, content de ta journée. Tu m'étonnes. Parfait. Il y a eu 2-3 passages où je me suis carrément, c'était le summum de ce que je veux faire. C'est le summum. Même le toit que j'avais tellement peur, c'est là que je me suis le plus éclaté. Quoi. T'avais l'appréhension, mais en fait, t'es passé tout seul. Quoi. Nickel. Ouais. Laurent était là, il t'a... Ouais, j'étais sécurisé. Voilà. Moi j'ai besoin de ça, je suis pas... Bah ouais, ouais on a bien vu, ça marche nickel. Hein. Tout le reste c'était du beau rocher. Une fois que j'ai passé ça, c'était un régal quoi. Bon, super. Content. Merci, mais... 06. Ouais, bah écoute, je crois que là c'est le minimum. Et nous, on va descendre le plan incliné là, et on va prendre les rappels en bas à gauche. 3 rappels de 50 mètres. Installé, vissé, sécurisé. Là, celui de Laurent. Là, la vache que je vais défaire dans 2 secondes, et on va partir dans du gaz que tu imagines même pas. Tu vas boire, monsieur, gros, dans le gaz, enfin dans la descente là. Oui. Putain, ça vise. Allez, on se dévache, on lâche pas le truc. Et on lâche pas le truc. Et on y va. Ben, si j'arrive. Allez, accroche-toi. Voilà. Et on va y aller, tranquillou. Tranquillou, tranquillou. Là, tu mets bien le pied sur la corde. Hein. Ah, le problème, c'est qu'il faut démarrer. Cette démarche, il me fait toujours un peu bizarre. En fait, plus tu te laisses aller en arrière, plus tu te poutais bien. Qui est ici, là, ouais. Ça, tout ça, ça doit être gelé, quoi. Ouais. Je pourrais bien refaire, cette Attends, je concentrerai, là. Je cadre le carpaccio. Ouais.
J'ai fait un de la veine blanche, on est passé là, comme ça, j'ai tiens, tu vois, c'est là que j'ai compris que je pouvais grimper. C'était pas que je pouvais y arriver. Ah, ok. J'ai vu une casquette l'année dernière, j'ai vu le truc, elle était complètement déversante. Ouais, un truc de fou. Waouh! Ouais! Bon, on filmera plus tard. Ah putain, là, bravo! Hein. Ouais, ouais! Mais il bosse bien, hein. Ça sentait bon là-haut, ça me donne, toi? Pas besoin de réveil. Hein. Ouais, on est bien.